Le coup d'envoi à l'instant. Cristiano Ronaldo. C'est le bordel dans le stade. Modric. C'est le bordel dans le stade. Bien entouré. Rafael Varane. Modric. Voilà. Allez! Le ballon récupéré par les Lyonnais. Et le gardien qui va essayer de lui barrer la route! Anthony! Et le drap. Voilà. Allez! Le ballon récupéré par les Lyonnais. Et le gardien qui va essayer de lui barrer la route! Anthony! Et le drap. Voilà. Allez! On reprend. Qui se lève, oh, dommage, il était tout seul. Pas que gagné, ferme ta gueule, enculé, va. Bien entouré. Là-dessus, toi. Modric. Cristiano Ronaldo. Oh, joli, ça. C'est en faveur du Real Madrid. Marcelo. Oh oui, allez, go. Et maintenant Tony. Oh bâtard, monsieur. Ouais. Rodriguez. Sergio Ramos. Allez, on va pouvoir jouer là pour Cristiano Ronaldo, il n'est pas tout seul. Allez. Yaya Touré. Fais-moi ça, nom de Dieu. Tiens, fais ça. Le ballon qui file en touche, touche avec cette passe mal assurée. Allez. Allez, lève-toi. Gareth Bale. On avait tenté d'alerter Cristiano Ronaldo, mais ça n'arrivera pas. Corner pour le Real. Ouais, super. Le Real, je le vois bien. Allez, parti, on y go. Regarde, hop, qu'est-ce que tu veux. Allez, fonce, petit cochon. Oh, mais non, mais putain. Comment ça, il y avait hors-jeu? Je le voyais pas. Oh, il revenait. Ah, oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Modric. Voilà, allez, go. Récupéré sur cette intervention. Et là, il n'y a pas hors-jeu. Voilà, tout seul. Boum. Putain, mais tire pas. Tout ça pour ça, hein. C'était bien ouvert le chemin. Ah ouais, j'avais fait le plus dur. C'est moi qui ai fait le plus dur. Et non, mais... Yaya Touré. Gareth Bale. Chop là. Allez chercher. Allez. Putain, vous êtes deux là. Rafael Varane. Ah oui. Modric. L'ambiance dans le stade, bien sûr. Modric. Joli passe clé pour Cristiano Ronaldo. Le oh là là. Vers la surface. Le gardien qui est à la réception du centre. Allez go, gardien. Mais non, mais putain. Abruti de gardien de merde. Sérieusement. Bah tiens, toi, démerde-toi avec ça. Mathieu Valbuena. Il frappe son grand espoir. Mais non, mais... Il s'en est fallu de rien pour qu'il ne vienne tromper le gardien. Ouais, je pense qu'il s'en veut. Eh, 15 mètres à gauche,
Anti, toi. Ballon pour Tony. Bena. Un moment euphorique là, le ballon qui circule bien. Bim. Voilà, oui. Le défenseur a touché le ballon, mais ça n'a pas suffi. Oh, c'est qui le meilleur? Qui le plus fort? Merde, j'ai oublié de faire ça. Continue. C'est l'OL qui mène. Eh oui, bien sûr qu'on est en mène. Marcelo, une petite idée sur ce que va proposer le Real Madrid. Un défenseur qui s'est monté quand il faut pour apporter du soutien. L'autre côté, allez. Mais non, fallait pas tirer tout de suite, fallait qu'on ait avant. Sérieux, toi? Belle passe. Bim. Wouhou. C'est belle. Et l'arbitre indique le poteau de corner. Ouais. Oh, chaud pour ta gueule. Non, putain, relou. Gareth Bale. Ah. Ah, c'est très bien taclé ça. Mathieu Valbuena. C'est ouvert. Oh merde, putain, je suis trop fort. Problème pour le gardien. Ah non, pas de problème. Le cadre. Ah non. Pas où il était. Prends derrière, à côté. Pas trouvé le cadre. Pas où il était. C'est cool. Je vais pas être très loin, toi. Oh oui. Oh merde. Une statistique riche en enseignements là sur la possession. Elle est clairement en faveur du Real de Madrid cette possession. Mais quand on regarde le tableau d'affichage, on se dit que l'essentiel est peut-être... C'est dans l'actel. Et bam. Oh, je chier, bordel. Mais le gardien était là. Il est là. Venu, il est là. Oh là là, c'est... Oh. Oh là là, dis donc. Rien du tout là, voilà. Ah, et là. Hop, hop. Oh merde. Modric. Marcelo. Maxime Gonalon. Oh oui. Ballon pour Tony. Alors, je. Chier. Valdena. Fais chier, bordel de merde. Un petit peu tôt. Ouais, un petit peu tôt. Petit peu tôt. C'est un petit gardeur. Mais attendez, j'ai pas fini. Oh, déjà. Reprendre le mec. L'arbitre qui a vu que l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais avait demandé un changement. Y'a personne sur lui là? Là c'est agréable de voir cette équipe jouer comme ça. Ça a l'air tellement simple. Oui, simple. Non mais non, 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 j'ai de la merde. Oh, le but est tout fait maintenant. J'ai de la merde, mais c'était chaud quand même, hein. Oh. Pas fait y aller. Passe là. Ballon pour Tony. Tué. Non. Ouais, parfait cette interception. J'ai fait de la merde. Je demande la balle n'importe quand, n'importe comment. Ah, il fallait la faire cette interception. Ah, bordel. Il faut courir en tous les...
Je vais faire tourner en bon et je vais revenir. C'est mal ça. Un mal assuré la passe, hein. Ça fait la touche. Non, oh. C'est Coty Pierce, oh, je... là, en soutien. Toi. Pousse-toi. Boum. Oh, oh, passe ça côté. Oh, c'est pas en confiance peut-être. Va dessus, va dessus. Tu. Tu. Avec Cristiano Ronaldo. Voilà. Maxime Gonalon. Non, dommage. Il se sentait en confiance après son but. Je vais mettre mon bon pied. Tirer. Mais elle passe à côté. Pas trop de problème. Ah oui. Avec Cristiano Ronaldo. Ah. Marcelo. Arrête-le. S'approche du but. Arrête-le. Allez. Là-dessus, toi. Voilà. Ah. Voilà. Ah. Touré. On continue. On lâche rien. Marcelo. C'est un centre. L'autre côté. Voilà. Et tu me relances là-bas. Voilà. Oh là 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 là. Non. Ah, enfoiré. Eh. Lève-toi. Oui. Oh, enfoiré. Là-dessus, là-dessus. Marcelo. Derrière, hein. Raphaël Varane. Voilà. Attention. Dessus. Oh mon dieu, dessus. Carvajal. Voilà, ça c'est pour nous. On récupère. Allez. Et le plus fort sera contre Lyon. Oh, il ne s'est rien passé là. Ouais, on y va. Allez, go. Ballon pour Valbuena. Voilà. Hop. Bonne anticipation sur cette passe. Et maintenant, Tony. Le gardien sort un arrêt de grande classe. Oh, celui-là, il était chaud. Ce sera un corner, donc. Il a été beau, celui-là. Cette occasion de but qui finit dans les bras du gardien. Et elle n'était pas facile, oh, ouais, à capter. Cette balle, oh, ouais, était ça, bien sur ses appuis. Ah, yeah. Oh. Bonne anticipation sur cette passe. Allez, on intercepte. Allez. Sortir, là, ça. Sortir, putain. Une merde. Marcelo. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Oh, j'attends pas. Allez, tire. Oh non, mais non, mais t'es sérieux. Sérieux. Celui-là qui a peut-être gâché une belle occasion. Ah oui, il a gâché une occasion. Sergio Ramos. Yaya Touré. On va voir de longs ballons dans la surface avec ce changement tactique demandé, voilà, par l'entraîneur. L'équipe qui joue son bateau et qui va se ruer l'attaque, semble-t-il. On va faire un petit peu, voilà, de coaching en faisant entrer un remplaçant. On va voir qui va quitter le terrain. Oh putain, je suis un peu tout seul les gars, n'empêche. Je veux pas dire, mais je suis un peu tout seul. Rodriguez. Modric. Yaya Touré.
Oh, joli, dommage. Grave qui tire de loin. Pas le gardien. Ah, il aime bien prendre sa chance là, comme ça. Et souvent, ça paye en plus. Non, n'importe quoi. C'est interdit de gâcher des occasions comme ça. Oui, bah ça va, ça va. Il peut s'en vouloir. Oui, je m'en veux. Grosse occasion à nouveau. On s'observe de part et d'autre. On tente bien des petites accélérations, mais le score n'évolue pas. Tiens, oh, j'en ai marre, je suis crevé, moi. Oh. Centre. Voilà. Et le gardien qui vient super apporter son soutien sur ce corner. Ah ouais. Ah. Ouais, bien capté. Allez. Par le gardien. Allez. Il s'est frappé trop près. Allez, connard. Allez. La faute là. C'est ouais. Bientôt fini, mais il y aura un coup franc. Ça revient. Y'a faute là! Putain, c'est sérieux? T'as pas faute? Ok. Et l'arrêt est patent du gardien! L'attaquant avait mis une mine! Oh. Pas très fair play. On a gagné! Sur cette victoire finale, ils peuvent laisser éclater leur joie. Ouais, ben, on peut éclater notre joie. 1-0. Ils avaient monté en puissance énorme, pendant toute la compétition. Et aujourd'hui, c'est une belle récompense pour eux. Oh oui. Bravo, messieurs. Tu as gagné quoi, toi? On s'en fout. Et... champion. Oh, du monde. Oh. Ah, c'est un... J'ai retenu. Page de francs. Oh. Sélection. France Australie. On va assister à une très belle affiche, Franck, dans ce championnat du monde. Et nous ne sommes que dans la phase de groupe, mais c'est vrai que c'est déjà une affiche qui pourrait ressembler à une demi-finale. Ah bon ? Australie ? Peut-être pas quand même. Calmer, quoi. Quand même, Australie, Colombie, bon, ça va. C'est clair. En respect. De près, c'est l'équipe de France qui va lancer cette rencontre.
peut-être une occasion. Puis découvre maintenant la composition d'équipe. On devrait avoir deux attaquants. Oh, c'est bien parti. Ah non, c'est contré. Merde, je suis dessus. Ouais, ça s'arrête là, bien joué. Ah, on tente, hein, on tente. Mathieu Debuchy. Merde, ce que je fais, putain. La merde, hein, ce que je fais. Allez. Le centre peut-être. Non. S'il lève la tête, il verra qu'il a du soutien. Eh ben, il a pas levé la tête. On intercepte les gars, allez. Williams. Ballon rendu à l'adversaire. Allez, va dessus. Et là, allez. Steinderlin. Non, c'est quoi ça? Le passé est mal ajusté et il récupère un ballon facile. Mathieu dit. Putain, charge maintenant. Putain, trop tard. Je suis les deux. Bah, tu dis de mes couilles là. Le ballon a été donné trop tard. Ouais. Oh, ils vont plus jamais le revoir. Là, ils sont aux abois, les défenseurs. Et le ballon qui arrive dans la surface. Et finalement, il dégage. Ouh, j'ai chaud. Et console de corner. Ouais. Le ballon sort, ce sera un nouveau corner. Oh. Le ballon rendu à l'adversaire finalement. Putain, mais c'est relance là, il me saoule. De France de merde. Putain. Là-dessus, là. Prendre le coup. Ouais, il a un peu d'espace. Oh, le tir. Non, pas de problème hein, pour le gardien de cette distance. Mais vous savez, Hervé, qu'il a déjà marqué de là. Il a eu raison. Ouais, 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 ferme. Hein. C'est pas faux. Et maintenant, Tony. On est vers la zone de vérité. Attention à la réception de ce centre. Ah, elle est bien sûr, ouh, c'était chaud. Oh là, aïe. Côté sifflet de l'arbitre, un carton, carton peut-être. Direct. Allez, carton direct. Carton jaune. Et allez, super, Pogba. Putain. Ouais, ouais, bah ouais. Par derrière aussi, voilà. Quoi ? Ça peut pas par derrière. Le dernier mot. Gardien. Allez, go, on y va. Oui, joli 1-2. Oh, c'est chaud. Allez, viens là. Allez, on va dessus. Pas de chaud. Elle s'avance vers la surface. Il y a quand même un sacré jeu collectif dans cette équipe, ça circule très bien. Oui. Avec l'effort sur cette interception, c'est impeccable. Ouais, oh t'es sérieux putain, garde la balle. Un bon
pressing du défenseur. Pas défenseur, je suis attaquant. Et qui se vénère. Non, je suis attaquant, moi. Ok. Putain, mais qu'est-ce que tu fais comme passe, toi? T'es sérieux? Putain. La casette. On s'approche. Putain de merde, quel con. Allez, allez. Putain. Un peu. Oh, il la récupère. Non mais les gars, putain, foutez quoi là? Ah, ça me rend ouf. Là-dessus là. Il va centrer et va devoir protéger son ballon. Et ils sont à la récupération. Voilà. La casette. Matuidi. Voilà, tu m'as vu. Ah, raté. S'il ne cadre pas, il ne peut pas inquiéter le gardien. Oui, mais c'est pas grave. Pas de coéquipier non plus, je peux rien faire. Samuel Umtiti. Ouais, parfait cette interception. Oh là! Quoi? Il tombe tout seul! Mais putain! T'es sérieux, il s'est rien passé! Mais va te faire enculer, arbitre de merde! Ah ouais. Bon, oh, je vais faire faute pour quelque chose, moi. Il tombe sa chance. Oh, il y croyait, il y croyait. Vénère, sur sérieusement. Ouais, il se voyait bien marqué, en effet. Il a tout de suite regardé vers son banc. Mathieu Debuchy. Il vient lui subtiliser le ballon. La casette. Ouais, le centre peut-être. Y'a personne. Vous vous foutez de ma gueule. Putain de merde. Là tu dis. Non mais n'importe quoi. C'est quoi cette demande de balle que je viens de faire là? Mais finalement ils perdent le ballon. N'importe quoi, sérieusement. Je fais de la grosse merde aussi. Bon ballon d'attaque. Oh là 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 là, t'es sérieux toi? Allez, elle est dessus là. Elle est parce qu'ils s'enchaînent. Oh là, eh, super, là il y a pas faute peut-être. Putain. Et la défense qui fait barrage. Un quadruple salto arrière de piqué que et même Candelro il serait jaloux. Le centre vers la surface. Allez! Oh là là, putain, foutez de ma gueule! Regardez ça! Allez, va dessus, toi! Putain de gros! Mmh, ils me saoulent, ils sont nuls! Coéquipiers de merde, on va perdre, c'est vraiment des coéquipiers de merde! La casette! Trop tard! Putain, mais trop tard, espèce de gros con! Putain de merde! Bah j'ai eu chaud. Oh ouais, il peut s'en vouloir parce que la passe était lumineuse.
Lacazette. Trop tard. Putain, mais trop tard, espèce de gros con. Putain de merde. Je crois qu'il est parti un petit peu tôt. Ah, ça me vénère. Je demande la balle 15 ans là. Il va attendre un peu, tiens. Je passerai quand ce sera trop tard. Allez, on continue. Allez, tout le monde est de retour et c'est parti. Allez, les bleus. Ah mais t'es sérieux toi? Putain. C'est le défenseur qui s'interpose. Vénère, ça me vénère. Et le ballon qui franchit la ligne, ce sera un corner. Et c'est capté sans problème par le gardien. Et le gardien qui donne un sursis à son équipe. C'était une balle de but, Hervé. Il faut bien dire que dans ses 45 premières minutes, il a été plutôt moyen. En fait, je trouve qu'il a été assez transparent. Pas de but, très peu d'occasion. J'attends autre chose. Allez, putain, tu te fais passer comme ça, toi. Et le centre. Steingerlin. Attis. Mathieu Debuchy. Quoi, c'est tir que tu me fais, je demande sur l'aile, toi tu tires au centre. T'es vraiment qu'une grosse merde. Putain. Allez, peut-être une bonne occasion. Allez. Dans ce hors-jeu. Oula, ça a dû se jouer à quelques centimètres. Steingerlin. C'était quoi ça? Tu m'expliques ce que c'était ça? Putain. Sérieux. Vénère. Allez, je vous prends branle. Casse-toi. Faut peut-être aller dessus un peu. T'es sérieux? Mais putain, mais c'est quoi cet arbitrage de merde là? Pas sérieux, ils ont un coup franc. Il va centrer. Ah, centrer du trou. Il préfère centrer. Oh, il repousse, ça joue. Il prend sa chance. Allez, putain. Ballon pour Tony. T'es sérieux? Pas dessus, toi. Allez, allez. Les coéquipiers sont super nuls. Équipe de France de merde, hein. Franchement. Ultra à chier. Il enchaîne les bonnes passes. Hein. Là tu dis. En jeu. Quoi? Parti trop tôt. Oh, mais sérieux. Le ballon a été donné trop tard. Casse les couilles. Williams.
Ça s'approche. L'occasion peut-être avec cette frappe. Et ce sera un corner. Ouais, très bien. Ah non, ça... Trop tard. Et maintenant Tony. Bon, papa. Ils construisent, ils font tourner. Ballon pour Tony. Mathieu Debuchy. C'était quoi cette passe? Tu m'expliques ce que... Tire, tire, on bat les couilles, tire. Le gardien qui effectue une très bonne prise de balle. Ah, passe pas. Allez, impression. Ah, il bascule sur l'aile histoire d'étirer ce bloc défensif très compact. Super mal. Allez, ah, passe le, voilà. Elle passe pas, super. Oh, je... putain! Comment il nous balade, c'est un truc de malade. Défenseur qui a contré, Matuidi. Ballon pour Tony. Voilà. Y'a pas but là, je suis vénère. Oh, je suis vénère. Ouais. Et voilà, allez. Nul. Voilà, il y en a pas dû, c'est ça non. J'ai pas été retenu. Un partout. Casse-moi pas. Allez, dégage. Ah, c'est tout. T'es fait éliminer. Ben voilà. Bien. Qui pied de merde. Casse-le. Eh, oh là là. Grosse merde. Taras. Allez, coupe de... Un petit, allez. On va assister à une très belle affiche, Franck, dans ce championnat du monde. Et nous ne sommes que dans la phase de groupe, mais c'est vrai que c'est déjà une affiche qui pourrait ressembler à une demi-finale. Oh, une demi-finale, ouais, voilà. Voici donc la composition d'équipe. L'entraîneur qui a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. La Casette. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Roman Eremenko. Et Tenaï. Un peu.
ouais. De très loin. Ouais, quand on voit le résultat, on se dit qu'il avait mieux à faire. Ah bon, bon. Quand je demande pas, bah il me passe pas du coup. Puis ça. Là tu dis. Ballon pour Tony. Ouais. De très loin. Ouais, quand on voit le résultat, on se dit qu'il avait mieux à faire. Ah bon? Bon, je qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es sérieux toi? T'es incapable de contrôler une balle? Et tu joues au foot en équipe de France, toi, moi, sérieusement quoi. Allez, là-dessus. Tiens, nique ta mère. L'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant. Ouais, je m'en bats les couilles, allez. Les choses ne vont pas très bien, ce début de match. Premier carton jaune. T'es incapable de mettre une tête, toi. C'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Oui, bonne sortie. Première menace. Et putain, l'autre il suit pas l'action, quoi. Sérieux. Tony. Tape de Madiba. Et peut-être quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Juste-toi de devant toi, abruti de merde là. Il me casse les couilles, il se met devant là à chaque fois. Et maintenant Tony. T'arrasse-toi. Je vais tirer l'autre, il reste devant là. Alors je vais lui passer la balle. Tire. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu danses ou tu fais quoi là? Ouais, une, deux. Et il ne se prive pas pour exploiter ce cadeau. Oui. Roman Eremenko. Mathieu Debuchy. Mais putain de merde! Anthony. Tape de Madiba. Les 30 derniers mètres. Mathieu Debuchy. Il fait de la merde, c'est pas capable de faire une talonnade, ça t'abruti de merde. Chut, mes couilles là. Va jouer au foot. Casse-toi. Et t'es maille. Ah, t'es sérieux toi? Eh, ma passe là, elle est où? Putain. Roman Eremenko. Oh. Oh. Ouais, c'est bien de jouer collectif comme ça. Malainen.
Roman Eremenko. Putain, ouais. Tu l'avais, mais en fait, tu l'as pas eu. Il voulait prendre l'aile, mais il s'est fait couper l'aile. Mais non, mais t'es sérieuse? Je crois que la top des bleus aujourd'hui, elle est en panne. Ferme ta gueule. Regarde, je t'ai vers là. Tremolinas. Ah, il tire. Vas-y, allez, tire en touche, ouais, aussi. Connard de joueur de merde. Roman Eremenko. Allez, tout le monde participe. Ça ressemble un peu à une tactique de handball. On fait tourner en attendant l'ouverture. La casette. C'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Oui, bonne sortie. Attention, pas commettre de faute. Le ciel nid. Putain, tu me la passes doucement, toi, espèce de gros débile là. Encore eux qui récupère, non, mais sérieusement. Voilà, ici il prend un deuxième jaune. Il a un jaune déjà, il prend des risques. Et Denaï. Ah, il y remet. Ah, ils ont un bon coup à jouer là, attention. Elle est retombée peut-être. Ah, bonne déconne du défenseur. Et ils obtiennent un corner. Ah. Ah, il boxe ce ballon. Et ça va faire un corner de plus dans ce match. Sortie, la touche pour la Finlande donc. Denaï. Bon, oh, ça a le droit d'aller sur vos joueurs. Voilà. Ballon pour Tony. Ah, elle passe pas. Peut-être le but. Putain, tire. Non, espèce de bouffon de merde. Putain, culé de ta race. Rate ça, c'est culé. Putain. C'est bien donné une fois de plus. Bonne Pogba. Steinderlin. Là tu dis. Putain, qu'est-ce que tu fais que tu me passes? C'est quoi, c'est sérieux? Oh, j'étais dessus là. Denaï. Putain, ah, ça me vénère ça. Ils font des, vraiment des grosses passes de merde. Et ce sont les bleus qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Non, dans ta gueule toi, corner, allez. L'équipe de France qui obtient un corner. Et maintenant Tony. Ah, non. Sur ce corner, on n'était pas loin du but. Le gardien peut souffler. Je vois pas de soucis. Roman Eremenko. Ah, bonne circulation du ballon. Putain. Donc on la récupère maintenant. Léger quoi. Roman Eremenko.
Côté maille. Oh là là, mais les mecs, sérieusement, les boobs butent. Même pas. Bon, bah, t'es nul, franchement. Ça donne de l'air et ça soulage. Eh ouais, le ballon qui circule bien. Personnellement, je m'attendais à mieux de la part de ce joueur en cette première période. Ben, ah, bah la casette, c'est une grosse merde. Transparent, pas de but, très peu d'occasion. Ouais, j'attends autre chose. En seconde capable période, de faire une passe. Oui, j'en ai une, deux. Par l'aile peut-être. Amalainen. Et maintenant Tony. Paul Pogba. Bouge-toi toi. Putain, arbitre de merde. Va te faire enculer va. Putain, ça me vénère. Capte facilement cette tête. Oui, ballon bien arrêté par le gardien. On en reste sur ce score de parité. Tête de Madiba. Et maintenant Tony. Elles sont à la lutte. Putain, t'es sérieux? Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Et maintenant Tony. Gardien qui est sur le spectacle avec efficacité. Et le gardien qui donne le sourcil à son équipe, c'était une balle de but, Hervé. Mais putain, mais. Ouais, il va pas dessus. Ah bah là, il aime. Et toi, toi. On va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. On va voir qui va quitter le terrain. Allez, allez. Ballon pour Tony. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Je fais la passe derrière. Pourquoi il fait par là? Quoi ce jeu? Et évidemment, il se fait siffler. Roman Eremenko. Allez, va dessus, toi. Un bon pressing du défenseur. Changement. Bien. Sur l'aile maintenant. Ça, c'est pas lui que je passe. Putain, c'est pas lui que je passais. Ça me vénère. Allez, ce jeu me saoule. Allez, va dessus, toi. Roman Eremenko. La touche sera pour la France. Et maintenant Tony. C'est quoi ça? T'es sérieux toi? Putain mais il n'y a aucun joueur dans cette équipe, c'est vraiment des grosses merdes. Roman Eremenko. Choisissent de jouer sur le côté. Bon ballon d'attaque. Côté maille. Un très bon tacle. Tête de Madiba. Eh hey, mais sérieusement? Roman Eremenko. Les soi-disant les meilleurs joueurs de France, ouais. Super quoi. La gueule des meilleurs joueurs de France, quoi. Cette perte de balle. Mais qu'est-ce qu'il fait pour lui? Tire pas ce bouffon! Mais va te faire enculer, jeu de merde! Va bien te faire enculer, quoi. Peut-être une occasion.
C'est un truc de ouf. Et l'autre il se met. Putain. Oh les positionnements de merde qu'ils ont. Coéquipiers, ils savent pas jouer là. Ah, super, vas-y, tiens, laisse le tirer, vas-y, but. Allez, très bien. Oh, dommage. Ouais, super. De merde là. Putain. Ça la pose. Gardien, je argent. Bon. Ce sont les Argentins qui donnent le coup d'envoi. Ils découvrent maintenant la composition d'équipe. C'est un système assez conventionnel qu'a choisi l'entraîneur avec ce 4-3-3. Javier Pastore. Obligé de m'aider parce que j'ai des joueurs qui savent pas jouer. Pour Messi. Et les Argentins à l'attaque. Il prend le temps de centrer. Ballon dégagé de la tête. Ballon n'est pas trop compliqué à reprendre finalement. Oh le tir. Okay. Oh, il y croyait sur cette. Bon bah ça commence bien, super. Il se voyait bien marqué en effet, il a tout de suite regardé vers son banc. Ballon pour Tony. Et la voilà la frappe. Oh. Pas de soucis pour le gardien. Ah, à quelques actions. Oh non. Schneiderlin, le gardien qui sort le grand jeu sur cette tête. Le ballon n'était pas facile à aller chercher. Il reprend une possession du ballon. Ah là, là, on voit une équipe. Très luminous. Tu dis. Attention. Oh super. Il a bougé le gardien. Non, il a pas eu à bouger du tout. T'inquiète, je vais le faire bouger. Bien donné de la tête. Bien mouvement amorcé par les bleus. Ah, t'es sûr. Javier Pastore. Il y a. Bien, c'est bien, laissez-le y aller en fait. Hein. Ouais, ouais, très bien. Ouais, ils ont des bonnes possibilités là en attaque. Javier Pastore. Oh, il se la pète là. Ouais, ils sont à la récupération. Avec Nastri. Merde. Ballon pour Tony. Ouais, bien, c'était de la merde ça. Anthony, l'équipe de France qui ouais. Oh, il se prend la tête après cette action. Ah non, il avait une balle de but, il s'en veut certainement beaucoup. Un peu tout.
bien Mascherano. Ah bien Pastore. Soit. Fabio Zabaleta. Et... C'est le bleu. Zabaleta. Péché là. Voilà. Moi je sais. Putain, c'était quoi ça? Soit. Ah bien Pastore. Genre, elle l'avoir comme ça quand même. Exagéré quoi. Bon, ça c'est de la merde ça. Ballon pour Tony. Ça c'est pas mal. Ah non. Lubia. Ouais, le duel. Bon, oh, je m'en bats les couilles. Quel dommage pour eux. Quel dommage pour eux, car là ils avaient une occasion inouïe de passer devant. Ah, ça. Je fasse peut-être pas à notre côté, tu vois. Mathieu Debuchy. Ballon pour Tony. Il y a toujours une solution hein, pour le porte. Tony. C'est quoi ce tir pourri? Bien, bien placé. Tout. C'est un vrai point. Allez, le tir vient buter son gardien qui était bien resté vigilant. Et puis, on concède donc le corner. Raphaël Varane. Voilà la frappe. On s'en tape la barre et ça rentre. Enfin ! Putain ! Sa mère la chienne. Ici il y est. Enculé. Putain. La marque était sympa avec le buteur. Le ballon vient la frapper avant de rentrer dans la cage. Je crois qu'elle tremble encore. Oh la vache! Enfin un but. Ah, un peu. Et c'est donc premier but en Coupe de France. Ah bien. Très intelligent, très réussi, il récupère le ballon. La casette. Là tu dis. Ouais, le jeu était là, bien vu. Peut-être le but. Oh non. Le gardien bien placé. Keitan. Lubia. Soit. Oh, s'il lève la tête, ça peut être dangereux. Moi, tu dis. Oh oui, ça chauffe. Non. Tony. Ouais, ça passe largement à côté. Qu'est-ce que c'était que ce tir? Ah, le réalisateur qui nous montre à nouveau ce but qui donne une bonne bouffée d'air à cette équipe. Pas le temps. Lubia. La fin. De l'ambiance, ça la coupe du monde, c'est l'ambiance. On n'ira pas plus loin sur cette action. Oh non, mais les mecs, sérieusement, oui, maintenant, c'est sorti. Touche l'équipe de France qui va effectuer la mise en jeu. Mathieu Debuchy. Très Moulinas. Et le très remuant, très Moulinas qui sera là évidemment. Non.
pour placer quelques débordements. Pas le contre. Pereira. Plus là. Putain, mais non, pourquoi tu la repasses à lui? Sérieusement, quoi. T'as vraiment pas joué, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Emiliano Insua. Encore une bonne passe. Il a du soutien. Ah, bien Pastore. Yeah. Javier Pastore, un jeu gardien présent, hein, sur cette action. Putain, corner pour l'Argentine. Et le gardien avec le point. Touche pour l'Argentine. La casette. Oh là non, c'est quoi ça? Tu fais toi. Dégage loin devant. Ballon pour Tony. Plus que le gardien éliminé. Non, je la passe à l'autre là-haut. T'es sérieux, jeu de merde. Le jeu de merde. Espèce de fils de jeu de merde. Emiliano Insua. Kaitan. Avec Messi. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Lionel Messi. Biglia. Soit. Messi. Zavaleta. Allez, on fait tourner en attendant de pouvoir placer une flèche. Joli ça. Pereira. Ballon pour Tony. Et la mi-temps vient d'être sifflée. Allez. Ça c'est chaud. Hein. On retrouve les Bleus pour cette seconde période. Ils ont creusé l'écart, hein, tout à l'heure. Ils doivent continuer comme ça, évidemment. Mais non! Putain, je pousse mon ballon trop fort. Putain! Pereira. Biglia. Ah, bien Pastore. S'approche du but. Biglia. Oh, le tir. C'était sublime, oh, dommage. Une occasion qui était bien joué. Importante. Putain. Il est plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant. Je veux dire qu'il a été bon. Mais c'est grâce à lui, si son équipe est devant à la pause, ça reste quand même le fait marquant de cette première période. Le ballon change de camp. Javier Pastore. Zavaleta. À toi, à moi, ça c'est de la merde. Bien. Eux, ils jouent trop bien. Quoi. Oh, ça peut donner quelque chose là parce qu'ils sont en surnombre. Keitan. Le ballon qui arrive dans la surface. Putain, dommage, ils sont beaux, putain.
limite ils mériteraient quoi. Tellement ils font des jolis trucs. Par contre toi tu mérites rien. Allez cours, cours. Oh, le grand jeu, vraiment sur cette action. Ouais, non, tu fais quoi? C'est quoi ça? Faut pas mes couilles là, bouffon. Ils savent pas jouer ça. Et bien sûr, c'est argentin qui va. Allez, cours. C'est quoi ça? Passe. Allez, une, deux. Ballon pour Tony. Putain, enculé. Bien joué, ça ne passe pas. Vas-y, t'es sérieux, il me fait tomber, il se passe rien, tu sais. Pereira. Putain. Carlos Tevez. Titi, Lassana Diarra. Tire. La frappe d'Alexandre Lacazette. Non mais tire vraiment. C'est pas un truc pas à bouger. Elia. Elia de Insua. Ballon pour Tony. Ballon pour Samir Nasri. Ah, cette passe n'aboutira pas. Bien joué le défenseur. Le joueur a terminé Allez. Son échauffement. Il est prêt à faire son entrée. Ce sera au prochain arrêt de jeu. Avec Messi. Zabaleta. Lidia. Chaud, c'est chaud. Javier Mascherano. Keitan. Pour Messi. Tevez qui prend sa chance. Voilà, attends. Putain de ta mère la chaîne, non, y'a hors jeu, y'a hors jeu là, y'a hors jeu, ouais super, y'a pas hors jeu. Ah ouais, tout parle de ça, mais que dire de cette tête? Le gardien est d'accord. Et il a d'abord su prendre la bonne position Hervé pour frapper ce ballon de la tête. Là tu dis. Tony. Ah, ça me vénère. Putain. Oui, il méritait un but, mais quand même. Chier, quoi. C'est une belle source de motivation pour les joueurs, en règle générale. Peut-être un contre à amorcer. Avec encore cette un but. Allez, récupération, milieu de terrain. Allez. Pereira. Soit. Javier Pastore. Il est tout seul. Ah. Oh, c'est parti. Alors, est-ce qu'il peut se saisir de ce ballon? Ouais, à qui il passe? Sérieux, putain. Il se dispute le contrôle du ballon. Oh, ça m'a saoulé. Allez, salut. L'entraîneur a demandé à faire un changement. Carlos Tevez prend sa chance. Oh, plein sur la transversale. C'est une belle occasion, cela. Oh, c'est une occasion de gâcher. Putain. Il n'y a personne. Le ballon qui sort, le gardien va pouvoir se dégager. Finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Et après mûre réflexion, on dirait. Avec ce changement tactique, je pense que l'entraîneur espère aller décrocher la victoire.
Penalty. Putain. Ta mère la pute. Eh ouais mon pote. Allez. Oh tu me le mets. Oui c'est notre grosse merde. Tu fais. Yes. Ouh là 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 là. Ouais, enfin, sois content, mais c'est grâce à moi. Il n'a pas tremblé au point de pénalty. Elle a pas tremblé. Bon, on en encaisse pas un deuxième. Hein. Donc, le score est de 2 buts à 1. Ces joueurs de se projeter plus rapidement dans la surface adverse. Les consignes de l'entraîneur sont claires. C'est tout pour l'attaque maintenant. On espérait quoi là, un tirant. Oui, mais on sait jamais. Un peu présomptueux. On gagne du temps, gagne du temps. C'est toi. C'est pas évident, mais ça n'inquiète pas du tout le gardien. Non. Ah, je suis enfermé, je suis tout seul. T'as pas un qui vient m'aider quoi. Ouais, superbe sauvetage au moment où tout le monde voyait ce ballon au fond. La casette. Donc on va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. On va voir qui va quitter le terrain. Non, ça verra pas. Oh merde. Loin. Et là, Michael Di Maria. Oui, jolie 1-2. Oui, encore une bonne passe. Arrière Pastore. Là-dessus, toi. Oh, putain. Le tir de Kun Agüero. C'est contré. Il y aura 2 minutes, hein. 2 minutes de temps additionnel. Ah, les gars. C'est quoi ça? Putain, mais c'est quoi ces relances qu'il me fait lui là? Elle est nulle! Allez, prends-lui. Oh, joli ça! Oh là là! Oh, c'est chaud! Là, j'en pète de joie. On joue le tout pour le tout! Le sauvetage du gardien et c'est bien conservé ce ballon dans les bras. Allez, espèce de gros débilos. Putain, t'attends quoi, espèce de gros con. Putain, ça me vénère ce jeu. Ça me vénère. Et c'est fini. Cette rencontre du champ. Pouah. Ah, j'ai trop. Bon. Car. Oula. Pff, allez. Quart de fin. L'Italie. Oh, ça fait peur. Ah, on s'en fout. C'est l'Italie qui a gagné le droit de donner le coup d'envoi. C'est parti. On découvre maintenant la composition d'équipe. Ça va être tellement tendu. Ça, c'est un pour cette équipe avec un 4-4-2. Ah bah voilà, super. Signé, oh là 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 là. Sérieux, si vous faites des trous comme ça dans la défense, ça va pas le faire du tout. Sérieux, toi?
Antonio Candreva. Dans la sortie, ce sera corner pour l'Italie. L'intervention du gardien sur ce corner. Et les Bleus qui se font un peu plus pressants avec ce ballon. Le gardien s'empare du ballon. Non. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Ah bon? Oh là là. Cameroun Titi. Ah ouais, t'es sérieux toi. Je passe en arrière, mais... Verratti. Antonio Candreva. Là-dessus, toi. Ralenti ce point-là. Sito. Le ballon récupéré sur cette intervention. Un, deux joueurs à la lutte. Eh, va te faire enculer, toi. Marquezio. Matuidi. Oh, Bonucci. Merde, je tourne. Marco Verratti. Marquezio. Oh, c'est parti! Elle trouve les bras de Loris. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Et le tir. Ah, superbe exploit du gardien. Sur ah, super. Hein, on voit rien, on s'en bat les couilles. Ah, chier. Gardien qui soulage sa défense en s'emparant de ce ballon sans problème. Oh, le gardien qui lui coupe la route peut-être. Qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es sérieux, espèce de gros bouffon de merde. Sérieusement. Koscielny. Ah, ça me fait, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Antonio Candreva. Bonucci. Cito. Marco Verratti. Cito. Putain, c'est fait chier. Là, je joue vraiment qu'avec des grosses merdes. Ça peut même pas faire une passe, quoi. Zaza. Tremolinas. Voilà, ça c'est la lance. Évidemment, il se fait siffler. Marquezio. Zaza. Oh là là, mais regarde ça. Antonio Candreva. Oh, que c'est bien joué, ça va peut-être aller au bout. Franco Vasquez. Et maintenant Tony. Sans aucun problème là pour le gardien de but. Ouais, ouais, c'est ça. Antonio Candreva. Il a du soutien, c'est bien. Matuidi. Bon mouvement amorcé par les Bleus. Frappe. Sur le côté, ça rentre. Ce soulagement d'enculé, quoi. J'étais pas en jeu. Oh, va t'en enculer, j'étais pas en jeu. Putain. Tiens, regardez, un nouvel angle. Quand le poteau.
Oh, ya, 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 ya. C'est beau ça. 1-0 contre l'Italie. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. Oh la vache. Chaud. Antonio Candreva, Bonucci. Cito. Ballon pour Tony. Bien joué ça. Sublime but. Alors là, putain de sa race. Ah, si en plus les défenseurs se mettent à marquer maintenant. Ouais, c'est mais attends. Pas trop l'habitude de le voir à la finition comme ça. Tellement bien relancé. Ah, je regarde. Et ce but, cette fois-ci avec une autre caméra. Voilà, superbe tir. Oh, y a, y a, y a. Oh, ce 2-0 qui fait mal à l'Italie. Wouh! Oh, c'est soulage. Et les voilà donc avec allez, une avance de 2 buts 2-0. Oh, la vache. Marquisio. Le ça. Paul Pogba. Anthony. Oh, c'est bien parti. Oh putain, ça rase le poteau, sa mère. Oh, bien joué, Tremolinas. Une frappe lourde, très pure, qui vient se loger dans la lucarne gauche. Steinderlin. Bonucci. Insigné. Ah, ça ressemble à ouh là là. On fait tourner en attendant l'ouverture. Ouais, ça joue tellement bien, c'est ouf. Et c'est récupéré. Oh, c'est bien centré, attention. Oh putain. Sur cette interception. Blondi. Marquisio. Ah, il lui remet. Ah, le problème offensif italien qui ne trouve toujours pas de solution. Insigné. Allez, on récupère. Allez, les gars. Allez, gars, récupère. Là-dessus, toi, là-dessus. Ah, retomber peut-être. Non, oh putain, c'est pas bon ça. Oh là là. Les corners à suivre, il va y avoir danger. Ouais, pas ça. Ouais, sans problème là pour le gardien. Franco Vasquez. Il a du soutien. On va se battre à la tombée. C'est dégagé. Ah, pas de soucis pour le gardien. Il a peut-être manqué de conviction et de précision. Merde. Et il a un peu d'espace. Pogba.
La casette. Eh, hey, t'es sérieux? Bien joué ça. Non, c'est pas bon. Merci, ce que je fais. On sait pas que j'allais l'avoir en fait. Pas du tout que j'allais l'avoir. Ouais. Première mi-temps. L'équipe de France qui entame cette seconde période avec ce score qui lui est favorable. Non ! Ah, elle n'ira pas au bout cette attaque. Vénère. Marco Verratti. Ils font tourner Antonio Candreva avec Nastri. Et il n'y a plus que le gardien. Non, on s'est passé tout près sur cette action. Oui, parce qu'il s'est mis là qu'il a peut-être gâché une belle occasion. Ouais, mais c'est pas grave. Blondi, ah, quelle qualité dans ses passes. Je crois qu'il a signé une bonne première période, hein, je trouve. Il a livré une première période sérieuse avec notamment un but. Maintenant, il faut gérer cet avantage à la marque. Marco Verratti. Comment concentrer? Allez! Oh, dommage. Marquisio. On va choisir la frappe. Ah, il y avait peut-être mieux à faire là. Ouais, facile à dire après coup, mais. Oh, bâtard! Non, pourquoi tu es aussi fort? C'est vrai. T'as touché un oiseau aussi. Ouais. Oh putain, et là ça va tout doucement. Sur ce ballon, sans problème. Oh là là, ouais. Allez là. Le joueur a terminé son échauffement, il est prêt à faire son entrée. Ce sera au prochain arrêt de jeu. Allez, c'est parti. Faire sur ce oh. Centre. Ah, là, là. C'est vraiment du petit lait là pour les défenseurs. Là tu dis. Très bien, sublime, c'est exactement ce que je voulais. Oh là là. Hop. La casette. Non, putain. Au-dessus. À toi, Tony. La frappe. Et c'est oh, qui ne relâche pas ce ballon. Insigné. Nous n'irons pas plus loin sur cette action. Il n'y a pas faute là. Ouais, super. Pour l'équipe de France. Koscielny. Mais tu dis. Oh là là, il n'y a plus que le gardien. Non, j'ai fait demander de la perte. Pourquoi j'ai demandé de tirer? Je comprends pas. Si on fasse du gardien, les mecs ils font une passe. Ça.
Sitôt. Insigné. Kizio. Il a du soutien. Et le Russe qui rassure sa défense avec cette sortie aérienne. De près sur la série pour tenter de lui subtiliser le ballon. Arrêt du gardien qui bloque. On va essayer d'en mettre un troisième quand même, ce serait bien. 4-0, c'est pas mal. Marco Verratti. Ouais, 1-2. Il va pouvoir relancer maintenant, c'est parfaitement fait. Mais qu'est-ce que je fais, putain de merde? Ah, c'est de ma faute, je fais vraiment de la merde. Sitôt. Ah, le ballon qui est finalement perdu. Paul Pogba. Qu'est-ce qu'il fait? On va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. Ouais, on va voir qui va quitter le terrain. Non. Ballon pour Tony. Oh oui, oh là là. Non. La défense qui récupère. Insigné. Marco Verratti. Oui, joli 1-2. Bonucci. Zaza. Allez les gars là. Allez, putain, mais aidez-moi, bande de cons. Sitôt. Pas aidé, vraiment pas. Alors, qui va faire cette remise en jeu côté italien? Ouf. C'est une touche. Franco Vasquez. Chiellini. Pour la France. Et maintenant Tony. Voilà. Avec Nastri. Oh dommage. Marco Verratti. Ah oui, oh non. Oh, ça s'agit ouais. Autour de l'arbitre. Que va-t-il faire? Franco Vasquez. Et il ne se prive pas pour exploiter ce cadeau. Ah putain. L'entraîneur a demandé à faire un changement. De voir de longs ballons dans la surface avec ce changement tactique demandé par l'entraîneur. Allez, l'entraîneur veut donner un visage plus offensif à son équipe. Bon aventura. Allez, les gars, là. Allez, tirez ça. Voilà. C'est dégagé. Nastri. La rue, c'était chaud. Bon aventura. Tu dis très bien, Nas. Nasri. Il est à la récupération au milieu de terrain. La Sana Diarra. Position de hors-jeu signalée par l'assistant. Très bien. Hop, simule. Hop, tard.